Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire des interfaces graphiques natives en SQL. Quand on a affaire à une interface graphique, on va pas forcément le faire en SQL, pourtant il y a des bibliothèques et des approches qui sont intéressantes en SQL et c'est ce qu'on va voir ici. On va voir uniquement les interfaces natives, c'est-à-dire qui utilisent le système de fenêtres du système d'exploitation une bibliothèque d'interface graphique qui va vraiment tourner sur le système d'exploitation, plutôt que les interfaces web qui tournent plutôt dans un navigateur web qui utilisent des technologies web. On va voir ça sur un exemple qui est ici, donc très simple, une petite fenêtre avec une pile de trois widgets, une entrée texte dans laquelle on pourra taper du texte, un label ici qui va répéter ce qu'on aura tapé dans l'entrée au-dessus, et un bouton pour quitter, quand on clique dessus, ça va quitter l'application. Donc en gros, les interfaces graphiques, de façon très courante, c'est des widgets qu'on construit, et on doit également définir comment les événements de l'utilisateur, bah, par exemple j'ai tapé du texte au clavier ou j'ai appuyé sur un bouton, ces événements-là, comment on les gère. Il y a globalement deux façons de faire, soit on doit écrire nous-mêmes la boucle à la main, et c'est à chaque itération au cours du temps, et ben on va regarder quels sont les événements qui se sont produits, qu'a fait l'utilisateur, et on va gérer ça. Donc ça c'est une première façon de faire. Et une deuxième façon de faire qui est plus courante peut-être maintenant, c'est que quand on construit l'interface, les widgets, tout ça, et ben on va aussi définir comment les événements sont gérés en leur passant des fonctions. Par exemple, si j'appuie sur le bouton, ben je lui passe une fonction pour dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on appuie sur ce bouton-là. Et donc, une fois qu'on a connecté tous nos widgets à des fonctions de gestion d'événements, pour les événements qu'on veut gérer, et ben on a juste appelé une fonction run, par exemple, de la bibliothèque graphique, et c'est elle qui va lancer la boucle principale et puis gérer toute la vie du programme. Donc là, on va regarder ça principalement sur GTK. Donc d'abord, je montrerai en C++ quelle tête ça et comment on peut faire ça en SQL, soit en reprenant directement le GTK, soit avec des surcouches un peu plus évoluées. La première façon de faire, donc c'est avec des fonctions de rappel, et on va voir ça en C++. Donc le code, il est ici. Alors, si on part de la fonction principale, voilà comment ça marche. On crée une application GTK. On crée l'interface graphique. Donc, principalement, ça va être une fenêtre, et là j'ai fait une fonction pour initialiser les autres widgets dans cette fenêtre-là. Sinon, on aurait pu aussi créer toute une architecture de classe pour avoir une partie interface bien propre, et puis séparer des données que va vraiment manipuler le programme. Mais ici, comme c'est très simple, j'ai juste fait une fonction pour initialiser notre fenêtre ici. Et une fois que c'est fait, et ben, sur notre application, on va la lancer sur notre fenêtre. Donc c'est ça la boucle principale qui va faire tourner qui va afficher tous nos widgets et gérer les événements et leur gestion avec les fonctions qu'on aura connectées entre elles. Donc l'initialisation de la fenêtre, il est ici. Alors ma fenêtre, je l'ai passée en argument ici. On a des méthodes dessus pour initialiser le titre, la taille, etc. Et on va également pouvoir ajouter des éléments dedans. Le premier élément qu'on va ajouter, c'est une box. Donc une box, c'est ce qui permet d'empiler les widgets qu'on aura en dessous. Donc ça s'affiche pas, mais ça permet après, dans le box, on va empiler des éléments et ça va nous faire un joli agencement vertical. Donc c'est ce qui est fait ici. Je crée l'objet, je l'ajoute dans la fenêtre, et après les éléments suivants, je vais les paquer dans le box ici. Alors ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'on a un système ici. Donc ça crée un objet de type box avec les paramètres qui vont bien, et ça passe à travers le système de gestion mémoire de GTK. Ce qui veut dire que tous les éléments qui ont été ajoutés à la fenêtre, et ben ils vont être gérés par GTK, et quand la fenêtre est détruite, quand l'objet est détruit, et ben tout ce qui est toute la gestion mémoire que j'avais demandé, donc notamment la box, ça va être détruit également. Donc ça permet d'avoir une gestion mémoire un peu automatique de façon portable, puisque GTK c'est à la base conçu en C, mais on peut l'utiliser en C++ ou dans plein d'autres langages, mais du coup comme en C il n'y a pas forcément de gestion mémoire automatique, ben, c'est fait dans GTK, et du coup c'est portable, on peut le récupérer pour aussi en C++ ou dans d'autres langages éventuellement. En SQL, on n'aura pas besoin parce qu'il y a déjà un système, un garbage collector, une gestion mémoire automatique en SQL, donc on verra que ça, on n'a pas besoin, on peut utiliser la gestion mémoire de SQL directement. Donc peu importe, on a créé notre box, maintenant on peut ajouter les éléments à l'intérieur, par exemple l'entrée texte, bah pareil, je la crée ici, j'ai pas de paramètres, je demande la gestion mémoire de GTK, je récupère un objet ici, donc en fait c'est un pointeur vers la zone mémoire, et je peux la paquer dans la box. On fera pareil pour le label, et pour le bouton, bah pareil, je crée le bouton, le texte affiché ce sera quit, je le pack, et si je veux connecter le bouton à une fonction pour dire qu'il faut quitter la fenêtre, et ben on peut le faire ici. Donc c'est à cette tête là. À partir du bouton, je récupère le signal, on a cliqué sur le bouton, donc ça c'est fourni par GTK, il faut regarder dans les documentations.
Et par rapport à ce signal-là, si je veux le connecter à une fonction, eh ben j'ai la petite méthode connect ici, et à l'intérieur, je lui passe la fonction à appeler si on a cliqué sur le bouton. Donc là, vraiment, on va avoir une connexion de l'événement on a cliqué sur le bouton, c'est connecté à cette fonction-là. Donc là, c'est un peu compliqué. Comme on peut avoir différents types de fonctions, ici, la fonction que je vais appeler, c'est une méthode de classe hide qui appartient sur l'objet win ici, donc ma fenêtre principale. Donc on peut pas passer directement un pointeur vers la fonction, la méthode d'un objet. Il y a un petit mécanisme pour faire ça avec ça. Donc c'est une fonction membre de l'objet win qui s'appelle GTK window hide. Donc voilà, si c'est sur un objet, sur une classe, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, peu importe. À la fin, je demande d'afficher tous les éléments, tous les widgets que j'ai ajoutés. Et puis ben voilà, mon interface est créée. On va pouvoir la lancer ensuite. Donc si j'essaie de lancer ça déjà, ça donne ça. Donc on a la fenêtre, on a bien les deux éléments qui sont empilés. Alors pour l'instant on n'a que deux. Et on peut écrire des trucs dans l'entrée texte, appuyer sur le bouton quitter et ça quitte. Alors première chose à faire, on va rajouter le label. Donc ça va être très similaire à l'entry ici. Donc je copie-colle les lignes. Au lieu d'avoir entry, je vais appeler ça label. Donc ma variable, je l'appelle label. Je l'ajoute à ma box ici. Et le type de l'objet à créer, c'est plus une entry mais un label. Donc si je fais ça, que je relance, bah cette fois j'ai un troisième élément au milieu ici, et moi bon, pour l'instant j'ai pas fait de connexion d'événements supplémentaires. Donc on va le faire ici, et ce sera très similaire à la gestion du bouton ici, sauf que on n'est pas sur le bouton mais sur l'entry. Donc quand la zone de texte, l'entrée texte a changé, et ben on va faire une connexion avec une fonction. Alors le signal, c'est plus on a cliqué, c'est ça a changé. Ça, pareil, il faut regarder dans la doc sur entry, il liste tous les signaux qui sont disponibles. Et je vais connecter ça cette fois à une fonction qui n'est pas rattachée à un objet. On va créer la fonction juste au-dessus. Donc j'ai plus besoin de même fun, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est juste dire que je vais créer une fonction handle change par exemple. Et cette fonction là, je vais la définir juste au-dessus. Et je vais utiliser une lambda. En C++, on a des lambda, donc on va en profiter. La fonction s'appelle comme ça. On aura sa fermeture à mettre, donc ce que je capture dans l'environnement, les paramètres et le corps de la fonction. Au niveau des paramètres, ça c'est spécifié par GTK. Quand on a le signal, ça a changé sur un entry, et ben on doit connecter ça à une fonction qui ne prend pas de paramètres. Donc là, j'aurai pas de paramètres là-dedans, juste à mettre ici comment je vais gérer mon signal. Alors gérer mon signal, ça veut dire pour notre exemple, dans le label, on va modifier son texte. Donc, il y a une méthode qui permet de faire ça qui s'appelle setText. Donc je l'écris ici, label flèche setText. Et bah par exemple je vais mettre un message bidon pour tester, foobar par exemple. Hop. Donc on écrit ça. Label ici, c'est ce qui vient de l'extérieur à ma définition de fonction, donc il faut bien que je le rajoute quand même dans la fermeture de fonction. Hop. On essaye. Ok, et donc maintenant si je tape dans mon entry, ça va générer l'événement et ça devrait m'afficher foobar ici dans le label. Donc on essaye, hop, ça a l'air de marcher. Alors évidemment c'est pas ce que je veux, moi ce que je voudrais c'est à la place de foobar ici, récupérer le texte de l'entry. Pour ça il y a une méthode getText sur entry. Donc je peux faire ça, entry flèche getText. Et a priori ça devrait du coup récupérer le texte de l'entry et l'affecter dans le label. Du coup j'ai besoin de entry ici. Et puis bah c'est tout. Ok, donc on a bien les trois éléments, mon entrée texte, si je tape du texte, hop, ça le répète dans le label directement. Donc ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc si je résume, en fait, on peut déjà voir que on a de la gestion mémoire ici, on a passé des fonctions, ça c'est des choses qui sont rajoutés par rapport à du C, C++ de base. C'est pas forcément très très courant dans toutes les bibliothèques. GTK le rajoute, mais ça on l'aura naturellement en fait dans Haskell. Donc dans Haskell, hein, on a de la gestion mémoire automatiquement, donc on n'aura pas besoin de ça. Et passer des fonctions à d'autres fonctions, c'est quelque chose qui est aussi très naturel en Haskell, donc a priori ça devrait bien se passer. C'est pas ça. Hop. Donc on va voir le code en Haskell avec ça. Donc ce système de fonctions là, ça s'appelle des fonctions de rappel aussi, ou callback en anglais. Et le code Haskell, il ressemble à ça. Donc c'est vraiment très très similaire. Ça c'est vraiment la première façon de faire, où on a le binding
de GTK en Haskell. Donc Haskell, on a accès à toutes les fonctions de GTK et on peut faire un programme Haskell avec ça et le lien va être fait automatiquement. Donc vraiment, ça s'utilise de façon très très similaire. On crée une application, on fait tourner l'application, la boucle principale ici, où il déroule l'application. Et avant, on aura activé sur notre application, on lui aura spécifié une fonction quand on active l'application, comment on construit toute l'interface graphique avec les connexions de gestion d'événements. Donc au lieu de créer une fenêtre et puis de faire un run sur cette fenêtre, on lui passe juste une fonction, comment initialiser notre application. C'est la petite différence. Donc elle est ici, ma fonction, et c'est là que je construis l'interface. Donc on construit la fenêtre, on l'initialise, et vraiment c'est très très similaire à ce qu'on a. On appelle vraiment les fonctions, elles sont nommées différemment un petit peu en Haskell, mais c'est exactement la même fonction GTK qui sont appelées derrière. Donc souvent en fait il y a un préfixe pour dire la fonction sur quel type elle s'applique, donc si c'est une fenêtre, si c'est une entry, un label, etc. Et ensuite le nom de la fonction derrière. Donc au lieu d'avoir le setTitle de GTK qui était dans une classe window par exemple, et ben on aura window setTitle. Donc là, la fenêtre, la box ici, qu'on ajoute à la fenêtre, et ensuite on crée une entry qu'on va packer dans la box, etc. Pareil pour le bouton, la gestion d'événements du bouton ici, et puis ben voilà. On peut déjà faire tourner ça pour voir ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, donc ici tout est mis vers le haut, il n'y a pas le label, il faudra le mettre ici, mais pour l'instant on n'a que deux éléments, mais c'est très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc si on veut rajouter un élément, on va faire pareil. On va faire ça là. Donc on rajoute le label comme tout à l'heure. Alors cette fois c'est pas. Non c'est pas ça. Donc au lieu d'un entry new, on aura un label new. Alors faudra regarder dans la doc, mais là cette fois il demande d'initialiser un paramètre qui est la valeur par défaut du label. Et s'il n'y a rien, on peut mettre nothing directement. Voilà, donc c'est nothing ou just avec un texte, il y a un maybe derrière. Et donc ici on va packer dans VBox notre label. Et ça c'est des paramètres pour savoir est-ce qu'on va comment on va agencer dans la box. Bon c'est pas important, donc je détaille pas. Ok, on peut regarder déjà ce que ça donne. Cette fois on devrait avoir notre entrée, un label au milieu et un bouton, et pas de gestion d'événements particuliers. Ok, donc on a bien le label ici. Et puis si je tape du texte, ça fait pas grand chose de plus. Donc on rajoute la gestion d'événements. Donc sur l'entrée, quand le signal aura changé, il va falloir récupérer le texte du label et l'affecter dans le label. Alors ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait pour le bouton. Je vais le mettre ici. Alors cette fois c'est plus on button click, c'est pas entry change. Je vais l'écrire, on pourrait penser à ça, mais en fait c'est pas entry. Entry, il y a une histoire d'objet qui hérite de comportement, et en fait le comportement principal ici c'est pas entry, c'est editable. Bon ça faut regarder dans la doc, c'est des petites subtilités pas très intéressantes, mais bon. Donc le signal, on va l'avoir avec cette fonction là, à partir de l'entry ici, et la fonction qu'on va lui passer, il va falloir le mettre ici. La fonction qu'on va lui mettre, c'est une fonction qui ne prend pas comme tout à l'heure en C++, hein, c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres, mais qui réalise potentiellement des entrées-sorties puisqu'elle va manipuler l'interface graphique. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est dire que sur le label, on va affecter, donc la fonction ce sera label setText, comme tout à l'heure, avec la notation de Haskell ici. On va lui affecter un texte, par exemple on va lui mettre foobar, comme on avait fait en C++. Donc le label c'est label et le texte foobar. Voilà. Donc il y a juste les noms qui changent, bien faire attention. Et ici, ça c'est bien une fonction qui va être appelée et qui va définir le texte de label et à la valeur foobar. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas fait Ah oui, c'est sur GTK. Hop. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc a priori je devrais avoir l'entrée tout en haut, le label au milieu, le bouton en bas, et si je mets quelque chose dans mon entrée, ça devrait afficher foobar ici. Effectivement, c'est bien ce qui se passe. Maintenant moi ce que je veux c'est pas ça, c'est que le texte que je vais mettre ici, c'est le texte que je vais récupérer
de mon entry. Alors, en fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire un do, récupérer le texte à partir de l'entry, donc ce serait quelque chose comme entry get text de l'entry, et bah, ici au lieu de foobar je mettrai mon texte. Alors, je vais essayer comme ça, je suis pas sûr que ce soit ça. Alors déjà il doit y avoir GTK ici. Hop. Alors, je sais pas si c'est cette fonction là ou sinon je regarderai sur le code qui fournit. Bon, a priori ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc ici si je tape du texte, ça le répète, donc a priori ça a l'air de fonctionner. Donc voilà comment ça marche. Donc ça c'est, j'ai mis un do parce qu'on est dans une fonction qui fait des entrées-sorties ici. Donc si je veux récupérer du texte de mon entry, c'est une action d'entrée-sortie. Et de même ça, c'est une action, si je veux définir le texte de mon label, c'est une action d'entrée-sortie. Donc tout ça, c'est dans le contexte d'entrée-sortie et c'est une fonction qui fait des actions, des IO units en fait. Et éventuellement on peut simplifier ça, comme on a juste ici récupéré un texte qu'on a passé en dernier paramètre de la fonction suivante, et bien ça veut dire que on peut juste appeler cette action là, ça retourne un texte qu'on va binder dans le dernier paramètre de la fonction suivante. Donc en fait on pourrait faire un truc comme ça. Voilà, donc je récupère le texte, ça me fournit une valeur, je la balance dans ce truc là, et le dernier paramètre, ici la valeur du dernier paramètre, ce sera le résultat de ce truc là, et a priori ça, ça devrait fonctionner. Je sais pas si j'ai sauvegardé. Ok, bon, a priori ça doit faire la même chose. Voilà. Donc ça c'est une première façon de faire. On a vraiment en Haskell l'équivalent de, on appelle directement les fonctions de GTK, vraiment c'est la même façon de fonctionner. Par rapport à ces histoires de noms qui sont redéfinis ici complètement à partir du type, donc par exemple, qu'est-ce qu'on a vu bah ici, hein, pour récupérer le texte de l'entry, il fallait faire entry, get text, etc. On a un autre mécanisme qui ressemble un peu à, au polymorphisme qu'on peut avoir en C++, où le compilateur détermine, bah, pas le polymorphisme, plutôt la surcharge de fonctions. On a moyen de définir des fonctions qui ont le même nom, et suivant le type, le compilateur va savoir quelle fonction il faut vraiment appeler. Donc ça, c'est sur l'extension overloaded labels ici. On peut la décommenter. Et au lieu d'avoir tous ces trucs-là, donc, par exemple, on va commencer peut-être là-dessus, voilà. Au lieu d'avoir la fonction add du type container, eh ben, on peut tout simplement dire, il y a un label surchargé qui s'appelle add, et automatiquement selon les paramètres il va trouver à quoi ça correspond. Donc, si je fais quelque chose comme win vbox, je pense qu'il devrait marcher automatiquement. Ok. On va regarder. Et donc ça permet de simplifier pas mal l'écriture quand même. Alors c'est bon, c'est une extension de GHC, mais a priori voilà, ça fonctionne. Et donc ça on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Bah, par exemple pour le box ici, donc on va avoir new qui existe, et ce qu'on va lui passer ce sera un GTK. Alors par contre je sais plus comment ça marche, donc c'est la fonction new, on va lui passer un GTK box, et ici on lui passera des une liste de paramètres. Donc là ici à la construction il y a certains paramètres qu'il faut passer, éventuellement il y en a peut-être d'autres qu'on peut régler, donc là on peut tout mettre dans une liste directement. Et si on veut garder les paramètres par défaut, ben on met une liste vide, et si on veut spécifier certains paramètres, ben on peut le respécifier ici. Donc là, il y a notamment un label pour l'orientation, qui s'appelle, ben c'est ce qu'il y a en dessous, oula, je me suis raté, orientation, et on va lui dire que c'est orientation verticale. Voilà, donc on peut passer différents arguments dans la liste, etc. Et ce qu'on n'a pas passé, il va l'avoir, il va le laisser à des valeurs par défaut. Alors je crois que ça s'écrit comme ça. Regardez la compilation. Alors c'est pas ça, c'est quoi l'opérateur? Je vais regarder ici. Ah oui, bah si c'est ça pourtant. Alors ça doit être. Bah donc c'est bien ça pourtant. Je sais pas pourquoi j'ai pas content. GTK box, on va reprendre la ligne. Ah, c'est pas ça. Donc,
dans VBox, je vais mettre un new. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben je sais pas. Ah, peut-être. Ah oui, ok. Donc après, c'est cet opérateur-là qui connaît pas. Donc ce qu'on peut faire, on peut l'importer. On peut spécifier l'opérateur ici pour pas avoir à réécrire GTK devant. Donc soit je mets GTK devant, soit j'importe l'opérateur. Donc on va faire un truc comme ça. Ouais. Je vais pas trop tester ce truc-là avant de faire l'enregistrement, mais peu importe. Donc là, ça veut dire que sur GTK, ouais, non, on va pas faire ça en fait. Je vais le passer. Ce sera plus simple. Voilà, donc l'opérateur est défini dans l'espace de nom GTK, et comme je l'ai renommé, il faut effectivement que je le mette ici, ou alors que j'importe aussi les opérateurs, pour que ce soit plus simple, que j'ai pas à réécrire GTK dessus à chaque fois. Donc là, je pense que ça devrait mieux marcher. Bah oui, pareil pour new, c'est sur GTK aussi. Et puis bah, ça devrait être tout. Voilà, c'est juste pour montrer cette petite extension qui peut être assez pratique, hein, mais effectivement, il faut que les imports ils soient faits correctement. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Au final, on aura quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le même code, mais réécrit avec cette extension, où j'ai un peu profité de tout ce que je pouvais. Donc notamment, ce qu'on peut voir, c'est que au lieu d'appeler quand on construit l'application, et après appeler chaque fonction pour paramétrer chaque configuration, et ben on peut le faire directement à la création. Donc cette fois avec mon new, je lui demande de créer une fenêtre et je vais passer ici automatiquement le titre, la taille, la largeur, la hauteur que je veux, etc. Pour le box, donc ça c'est ce qu'on a vu, le add a été surchargé ici. Ici pareil, on peut spécifier différents paramètres directement à la création du bouton sans avoir à réappeler des fonctions après pour paramétrer différemment ma box ici. Oui, pardon, c'est une box. Et également, on a ça pour la gestion des événements. Donc ici, au lieu d'avoir le... où est-ce que c'était ? Ici, uneditable change, je sais pas quoi, et il faut se rappeler que le signal change, en fonction des paramètres, le compilateur sait ce que c'est, mais il faut bien appeler la bonne fonction avec le bon nom, du coup, de l'utiliser avec les labels ici. Je dis juste que je veux le label change, et il sait que c'est d'après le type de entry qui va trouver la bonne fonction à utiliser. Donc ça peut éviter des erreurs aussi. Et ici, ça c'est quasiment la même fonction que je lui ai passée, mais pareil avec le label de entry que je baigne dans le setText de label. Et puis, rien de particulier de plus à dire. Donc voilà, tout ça, c'est une façon de voir, de faire des programmations, des interfaces graphiques, et c'est vraiment un copier-coller quasiment de ce qu'on a en GTK, mais fait en Haskell, éventuellement avec la petite subtilité des labels surchargés ici, qui permet de simplifier un peu le code, mais ça correspond vraiment à ce qu'on a en C++ dans le fonctionnement de GTK. En Haskell, il y a d'autres façons de faire, notamment il y a la programmation réactive, qui s'applique très bien au cadre fonctionnel, et l'idée c'est de modéliser le temps et sa gestion. Donc en fait on va pouvoir gérer le temps comme soit des événements qui apparaissent de façon ponctuelle, soit des événements qui apparaissent de façon continue et qui fournissent des données selon un flux en fait, et on peut avoir des applications qui vont gérer tout ça, et on a de façon un peu comme on avait un peu en GTK, on va connecter des gestionnaires pour les différents éléments qu'on a. Soit on a reçu des données, soit il y a un événement qui s'est produit, etc. Donc la programmation fonctionnelle réactive, ça permet de faire ça dans ce cadre général. Et du coup, ça s'adapte assez bien aux interfaces graphiques. Et GTK, c'est un peu ce qu'il fait, mais avec pas énormément de fonctionnalités. La programmation fonctionnelle réactive, c'est un cadre un peu plus général que ça. Et donc, en Haskell, il y a des bibliothèques qui permettent de combiner les deux. Donc notamment faire de la FRP, de la programmation active fonctionnelle, en utilisant le système de fenêtrage de GTK par exemple. Comme c'est assez portable, ça simplifie plein de choses. Alors sinon il y a un autre framework classique qui s'appelle Reflex, qui est beaucoup plus complexe, qui permet de faire la programmation fonctionnelle réactive pour faire une interface, et puis après on peut compiler ça soit une interface web, une interface native, une interface sur mobile, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur qui sont possibles de faire sur Reflex. Moi je vais juste voir la partie GTK. Donc pour ça,
c'est ici. Je suis pas sur la bonne fenêtre, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste modifié pour qu'on puisse gérer avec la partie réactive. Alors, en gros, comment ça marche? On va créer notre application comme tout à l'heure. Au lieu de la lancer directement avec GTK, avec la boucle principale de GTK, et ben on va passer par Reflex. Et donc Reflex, qu'est-ce qui se passe? On lui passe une fonction où il va gérer toute la partie réactive. Et dans cette partie réactive, on aura une partie en GTK. Et la partie réactive s'ajoutera en plus de ce que gérait pas GTK. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'a fait cette partie réactive? Bah, elle fait rien de plus que ce qu'il y a déjà dans le GTK. Donc on construit l'application et puis c'est tout. Et construire l'application, c'est la fonction qui est tout au début ici. Et donc ça correspond exactement à ce que j'avais tout à l'heure en fait. On crée l'application, la fenêtre, on crée le box, entry, etc. Et ici on a la gestion de quand je tape sur l'entrée texte, ça modifie le label. Et bah, c'est géré par GTK, mais ce truc là on va l'enlever et on va le faire avec la partie réactive. Alors on peut le faire avec GTK hein, parce que c'est pas très compliqué, mais pour illustrer, bah, on va dire qu'on va plus le faire avec GTK, mais on va le faire en amont par la partie réactive de Reflex, la partie fonctionnelle réactive. Alors donc si je teste ça déjà, donc ça s'appelle Reflex 2. Voilà. Donc là pour l'instant on a la même fenêtre, je tape du texte, ça ajoute ici et c'est géré par GTK. Donc qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce truc là? On va le commenter. Bah cette fois c'est pas du tout géré. Donc il va rien se passer et on va voir comment on peut modifier ça dans la partie réactive pour le gérer avec la partie réflexive, avec la partie réflexe de mon application. Donc là, ok, il se passe rien. Comment on va faire? Eh ben les éléments qu'on a, dont on a besoin, c'est l'entrée texte ici, qui va nous fournir les données d'entrée, et le label dans lequel on va récupérer ces données et on va mettre ces données dans ce label de sortie. Donc ces éléments là, il va falloir que je les retourne en paramètres de ma fonction. Donc c'est construit par GTK, je les donne disponibles à l'extérieur. Donc dans mon return ici, je vais renvoyer, au lieu de renvoyer rien, je vais renvoyer un tuple où il y aura ces deux éléments. Donc mon entrée ici et mon label. Donc ouais, je rajoute un préfixe devant, mais c'est l'entrée et le label. Et ça, je vais le mettre également dans la signature ici. Donc ce sera un GTK, je dis quoi, entry, et un GTK label. Donc je construis, j'ai ma fonction qui construit mon interface. Je peux récupérer certains éléments dont j'ai besoin pour gérer bah, la partie réactive. Et du coup, bah, quand ma partie réactive appelle la construction de mon interface, bah, cette fois on va récupérer deux paramètres, mon entry et mon label, que je vais mettre ici. Alors comment je les ai appelés ici, input entry pareil et output label. Ok. Et donc, alors j'ai mis en commentaire hein, parce que c'est pas. Oula. C'est pas forcément simple à se retenir. Hop. Donc comment ça va marcher? Le FRP, il permet vraiment de créer pas mal de choses. Donc des signaux, c'est-à-dire un flux continu de données, des événements ponctuels, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc ici, une première partie, c'est que sur le signal, l'entrée a changé, et ben on va créer un signal à partir de ça. Donc on aura un flux de données, et dès que ces données-là vont changer, et ben on va lui passer une fonction qui permet de gérer ça. Donc la fonction, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer le texte de l'entrée, et elle va fournir des données dans le reste de ma chaîne ici de traitement. Et donc, ce gestionnaire d'événements ici, ben je vais pouvoir le connecter à mon label ici. Donc ici, mon flux que je vais balancer dans mon label, et ben son champ label, ce sera le texte que j'aurai récupéré d'après ce gestionnaire ici. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est le fonctionnement un petit peu compliqué parce que c'est très général, ça permet de faire plein de choses. Ici, mon application est très simple, donc c'est pas très judicieux de faire ça. Mais si on veut séparer ici, si on veut faire cette gestion par la partie FRP, bah voilà comment on pourrait faire. Bon, on lance quand même pour voir si ça fonctionne. A priori, ça doit faire la même chose. Juste cet événement-là sera géré par le FRP, la partie réflexe de mon application et non plus la partie GTK. Donc là, je tape du texte et a priori, ça fonctionne. Donc voilà. Bon, je développe pas trop, hein. Il y a plein de choses à dire sur la programmation réactive. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc voilà. Et une dernière approche qu'on pourrait avoir, c'est d'essayer d'architecturer le code
un peu différemment. Au lieu de soit gérer les différents widgets et les données qui peuvent transiter, les événements qui peuvent arriver, au lieu de gérer tout ça manuellement, et ben on peut avoir une architecture de code plus classique. Par exemple, tout ce qui est de type MVC, donc Model View Controller, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de l'application qui va être le modèle de notre application, quelles sont les données qui sont mises en jeu, et la partie vue, on va essayer de la détacher. Donc en gros, à partir d'un modèle, et ben on pourra afficher une vue de ce modèle-là. Et puis la partie contrôleur, c'est les différents événements, comment je la récupère pour modifier le modèle, redemander l'affichage de la vue, etc. Ça, c'est une architecture qui est très classique, donc ça s'appelle soit Model View Controller, ou dans Helm, c'est un langage de programmation qui permet de faire des architectures web. Il y a une architecture classique aussi qui respecte ce fonctionnement-là. Donc comment ça fonctionne ce truc-là? Et bon, on va le voir ici. Alors pareil, avec GTK, il y a une surcouche qui existe qui nous permet de faire ça, et ça fonctionne de cette façon-là. On va définir un type pour dire quel est l'état, quel est le modèle de notre application, quel est l'état des données. Donc ici, on définit le type, et dedans, on met ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un message ici. Donc MSG, c'est un champ de ma structure, qui est de type texte, et ça va être le message qu'il y a qu'on va devoir afficher dans le label, donc qui sera modifié par l'entrée, et qui sera affiché pour le label. Donc voilà l'état de mon programme. Les événements qui peuvent se produire, c'est soit j'ai tapé du texte dans l'entrée, dans ces cas-là, je vais générer un événement change text ici, avec le texte. Et un deuxième événement qui peut se produire, c'est si je clique sur le bouton quitter, je vais demander de fermer la fenêtre. Donc j'aurai un événement close que je définis ici. Donc on peut vraiment modéliser quel est l'état de notre interface graphique, quels sont les événements qui sont possibles, et ensuite comment on calcule une vue. Donc, il y a une fonction qui nous permet de définir ça. À partir de mon état, comment je crée une vue. Éventuellement, je peux lever des événements supplémentaires. Et pareil, si j'ai un événement qui s'est produit, comment je gère ça? J'ai une fonction qui va me permettre de faire ça. À partir d'un état courant et d'un événement courant, comment je mets à jour mon état, et éventuellement, est-ce que j'ai besoin de recréer un autre événement? Donc vraiment, on sépare la partie vue, la partie gestion d'événements. Et dans le programme principal, j'ai juste à créer une application pour gérer la vue. C'est la fonction que j'ai au-dessus. Pour gérer l'update, c'est la fonction qui est juste ici. Et l'état initial. Et après, je lui demande de faire un run de cette application-là et il se débrouille. Mais on a vraiment séparé la partie gestion de la vue, gestion des événements. Qu'est-ce qu'on peut regarder Alors juste au niveau de la gestion des événements ici, ce sera très simple. Hein. Si j'ai l'événement close, il y a une fonction quit qui permet de quitter sur dans la bibliothèque, hein, qui est fournie de la bibliothèque d'interface graphique. Si j'ai demandé à changer le texte, j'ai juste à dire on continue la boucle d'événements ici, la boucle principale, pardon, mais juste le nouvel état de l'application, c'est le state ici. Ou le message, le texte ici, et ce sera celui qu'on avait dans l'événement. Donc en fait, si jamais je veux changer la façon de gérer, on a changé le texte, c'est juste de dire le seul paramètre qu'on a dans notre application, c'est un texte, et c'est le même que celui qu'on a dans l'événement. Donc ça veut dire que si on va générer des événements de type texte, de change text, il faudra lui passer le nouveau texte qu'on veut, et c'est ça qui va être directement récupéré dans le modèle. Et donc la partie un peu plus subtile ici, c'est comment on construit la vue. Et à partir d'un état, comment je construis ma fenêtre et comment je la retourne, on a juste à le faire ici. Là j'ai les paramètres de ma fenêtre, les widgets que je vais avoir, et à la fin je lui dis construis une fenêtre avec ces paramètres et ces widgets, et il va retourner tout ça. Alors évidemment, il va pas tout reconstruire à chaque fois. Il y a un système de comme les DOM virtuels en JavaScript, où en gros il est capable de détecter les widgets qui ont changé, et il recrée uniquement, ou il modifie uniquement les widgets qui ont changé. Mais bon, ça c'est géré en interne. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est juste une fonction qui dit à partir d'un état, voilà comment je construis ma vue complètement. Et donc les widgets, on les ajoute ici. Le principe est un petit peu différent de ce qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est juste qu'on va passer par un système ici où on va dire j'ai un conteneur de type box, et ensuite à l'intérieur j'ai des choses. Donc on a des listes imbriquées au lieu de faire des ajouts dans la box, et je vais lui passer dans une liste tous les éléments qui seront ajoutés dedans. Donc ici ma box principale, à l'intérieur j'aurai une entry, ensuite j'aurai mon label ici, avec ici le label, c'est le message de mon modèle. Donc ça, state, c'est mon modèle ici, et underscore message, c'est pour récupérer le message de mon state ici.
Donc là, vraiment, le label va être initialisé à la valeur qu'il y a dans mon modèle, dans mon application, dont je construis la vue. Et pareil pour le bouton de quitter ici, on crée un bouton, on met un label en dur ici, et on peut faire une gestion d'événements ici. Quand on a l'événement cliqué ici de ce bouton-là, et ben il va générer un modèle closed ici, et qui va être géré ici en fermant l'application. Alors, donc si j'essaye ça, donc c'était déclaratif. Ok. Donc on a les trois éléments. Alors pour l'instant, j'ai pas connecté ici l'entrée texte, donc ça affiche rien. Par contre, quitte, si j'appuie dessus, ça a l'air de quitter, puisqu'il est géré ici. Donc pour ce qui nous reste ici, c'est à gérer l'événement de l'entrée. Donc l'événement, c'est toujours la même chose. Donc si on a eu l'événement changed, et ben il faut lui passer une fonction, et a priori c'est tout ce qu'on aura à faire. La fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben en fait il faut lui dire quel est l'événement qu'il va falloir produire et qui va être ensuite récupéré par le handle update. Donc en gros c'est comme ça que ça marche. Quand je construis ma vue ici, je peux spécifier des événements à générer, et quand un événement est détecté, je vais spécifier un événement du type ici qu'il va falloir générer. Et c'est lui qui, si cet événement se produit, il va générer l'événement, ça va appeler la fonction de mise à jour, et il va récupérer un nouvel état, et il va rappeler la fonction d'affichage sur ce nouvel état. Donc vraiment, c'est tout découpé, mais il gère sa boucle avec ces fonctions-là de façon automatique. Donc ici, moi, ce que je devrais faire, c'est générer un événement change text ici, et le texte que je vais récupérer, c'est le texte qui vient de entry ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas tout simplement on, c'est on m, parce que on va avoir besoin d'accéder à entry, de faire une entrée sortie. Donc la fonction est un tout petit peu différente, on a les deux possibilités ici. Si j'ai besoin de récupérer le texte de entry, il faut que je le fasse comme ça. Donc ici on va récupérer un texte. Donc on va construire un événement de type texte après avoir récupéré la valeur de l'entry, donc ce sera, je crois que c'est getText, un truc comme ça. Alors je vais vérifier parce que je suis pas sûr du tout. Donc on fait ça, et donc ça c'est des entrées-sorties, ce qui veut dire que ce truc-là, il faut que je le map dans le résultat de ce truc-là. Donc ici on va rajouter un fmap. Bon, je détaille pas trop, c'est un peu... Faut juste regarder bien les types qui sont manipulés, mais comme je fais un getText, j'ai besoin de travailler dans le contexte d'entrée-sortie, donc de travailler sur des monades, donc c'est pour ça qu'il y a onM, et changeText ici, ça c'est le résultat, le texte ici. Je vais construire un changeText à partir de ça, et puis c'est ça que je vais retourner. On essaye ça. Et donc a priori, si je change mon texte, il devrait me l'afficher dans le label. Donc évidemment, c'est un peu plus loin à compiler. Dès qu'on rajoute des extensions de langage, la compilation prend un peu plus de temps, forcément. Ok. Et donc ça a l'air de fonctionner. On appelle ça eux, ils appellent ça du GTK déclaratif, parce que effectivement, je dis juste, je déclare quelle est la fonction qui gère la construction de la vue, je déclare quelle est la fonction qui permet de gérer les événements, etc. etc. Donc on n'a pas des connexions vraiment de chaque widget entre eux, on dit juste comment on construit une fenêtre à partir d'un état, comment je construis l'événement à retourner pour gérer une action de l'utilisateur, et puis ce sera géré dans la fonction ici, etc. etc. Ok, et donc voilà. Et il y a d'autres bibliothèques qui existent, hein. Donc ça c'est toujours pareil, basé sur GTK, tout ce qu'on a fait pour l'instant c'était basé sur GTK, mais évidemment il y a d'autres bibliothèques qui sont utilisables en Haskell, notamment Qt, il y a aussi des versions qui utilisent en Haskell, et il y a même pour cette partie déclaratif ici, Model View Controller, il y a une autre bibliothèque qui est plutôt basée sur OpenGL, donc qui est plus légère, il y a moins de dépendances je pense à avoir, et qui fonctionne un peu de la même façon. Donc, pareil, on crée un modèle, on crée les événements qu'on veut pouvoir gérer, on a une petite fonction donc c'est fait un petit peu différemment, mais c'est le même principe, comment on construit l'interface, comment on gère les événements, et puis après on construit l'application et on lance la boucle principale, et puis voilà, ça fonctionne. Ok, donc pour résumer, pour faire des interfaces graphiques natives en Haskell, on a différentes approches, différentes bibliothèques qui sont intéressantes, soit parce que souvent les interfaces graphiques natives
elle fonctionne avec des systèmes de fonctions de rappel, donc c'est des choses qui s'appliquent très bien à Haskell. Également, on a aussi toute la partie FRP, programmation réactive fonctionnelle, qui existe pas forcément que pour le contexte des applications graphiques, d'interface graphique, mais qui s'y applique très bien. Donc on peut faire soit en FRP pur des applications graphiques, éventuellement avec un back-end en GTK, bon, ça peut fonctionner. Et de même, si on a des petites applications un peu simples ou qu'on préfère l'approche déclarative, et ben on peut l'utiliser grâce au système de typage de Haskell. On définit notre application, nos événements, les fonctions pour afficher, les fonctions pour mettre à jour en fonction d'un événement. Et puis ben voilà, ça se prête très bien en Haskell grâce à son système de type et ben son aspect fonctionnel où on peut passer des fonctions. J'ai pas parlé des interfaces web, mais il y a également pas mal de choses qui existent en Haskell, donc soit des petites bibliothèques indépendantes, soit Reflex, la programmation qui permet de faire du FRP, ben elle existe aussi en Haskell, et donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait regarder également à ce niveau-là. Et voilà.